retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique DP Club. Je jetais un œil sur mon carnet, j'avais un petit, j'étais plus sûre. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui. Je viens seulement de vérifier. Là, il est quelle heure? 4h30, 5h de l'après-midi à peu près. J'avais récupéré ça dans ma boîte ce matin, mais comme j'avais rendez-vous pour mon scanner, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, je viens seulement de regarder et j'attaque ma vidéo. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent savoir pour le scanner, il y a plein de petites choses. Mais je pense que rien de... que du bénin, je pense. Mais je revois mon docteur vendredi. Donc, j'en saurai plus. Je vous le dirai. Voilà. Donc... aujourd'hui, je vais vous présenter un DP, voilà, DP pour chouchou, vous l'auriez deviné, et une broderie pour moi. Ça, chouchou ne veut pas se mettre à la broderie. Non, 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 non. Il ne veut pas. Donc, je vais vous présenter ça, je vais vous les présenter face bureau, ce sera beaucoup mieux pour vous montrer en détail. Et puis voilà. Donc, je change mon téléphone de place et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. alors, j'ai déjà tout déballé pour pas à cause du plastique, parce que c'est le plastique qui fait plein de bruit. Donc, j'ai pitié de vos petites oreilles, mes abonnés. Alors, aujourd'hui, c'est un... on va commencer par la broderie. Alors, c'est une broderie de la compagnie sans nom. Voilà. On ne sait pas comment elle s'appelle, hein, donc on l'appelle comme ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai déjà un petit toolkit. Voilà, avec l'enfil aiguille, le petit pompon avec les 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, le petit anneau, mais bon, ça... personne ne s'en sert, hein, parce qu'il n'est pas pratique du tout. Mais bon, il est là. Et le petit sachet avec le petit fan. Voilà. Donc, ça, c'est le petit toolkit. Ensuite, je vais vous montrer les fils et la toile après. Alors, à la compagnie sans nom, ce qui est bien, c'est qu'on a des beaux patrons. On a des jolis patrons. Bon, la photo est un tout petit peu floue. Voilà, je vous la montre de plus près. Voilà le modèle. C'est le tigre de la mer. Voilà, sur le site, ça s'appelait comme ça. Il est un tigre dans l'eau avec plein de poissons. Oui, c'est normal. Je vois tous les jours des tigres dans l'eau entourés de poissons. Bon, la photo sur le site est beaucoup plus jolie que là. Je vous remettrai de toute façon les photos comme je fais d'habitude. Voilà. Alors, c'est un 60 sur 45. C'est un 11 CT. Voilà. Donc, 11 CT veut dire 3 fils. Moi, je brode en 3 fils, de toute façon. Je fais ce qui est dit. Bête et disciplinée. Voilà le patron. Alors, attendez. Je vais vous remonter un tout petit peu pour que vous le voyez en entier. Voilà. Donc, un grand patron, très clair, très bien imprimé. Là-dessus, on n'a rien à dire. Hein. Il s'améliore de jour en jour. Ici, on a, comme d'habitude, comme sur les Just Sunday, les explications avec les différents points qu'on pourrait rencontrer, comment il faut faire pour broder, comment pour la nettoyer et le repassage. Voilà, bon, je ne vous donne plus en détail, hein, chaque fois je vous le dis, et puis maintenant sur toutes les vidéos, on vous en parle aussi. Donc voilà. Alors, quand vous voyez déjà comme ça, au premier abord, le patron, voilà. Bon, on voit quand même qu'il y a des blocs, donc ça va. oh, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Là, on voit bien un poisson. Là, on voit les oreilles du tigre, donc sa tête ici. Là, on est... bon, il y a encore des poissons ici, mais on les voit moins bien. Là, il y en a un. Voilà.
Donc, il y a combien de couleurs? Il y a 40 couleurs. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais plier le patron pour vous le montrer. Ne floute pas. Merci, c'est bien. Voilà. Bon, il va y avoir du confetti un peu. Hein, on a vu pire, hein, en confetti. On a vu pire. Voyez. Et après, on a des blocs. Donc ça, les blocs, bon, bah, ça va aller vite à faire, hein. Et au niveau... Alors... Donc on retrouve la petite photo ici, hein, mais bon, elle n'est pas du tout pas très visible. Hein. Niveau des symboles, alors qu'est-ce qu'on aurait qui... Alors ici, vous avez, ça c'est les numéros qu'il y a sur les plaquettes. Là, les symboles sur le patron. Et ici, les couleurs DMC, les références DMC. Et là, les couleurs réelles. Donc, on va avoir un point noir, ça. Celui-là, je l'aime moins bien parce qu'il est fin et des fois j'ai du mal à le distinguer. Oh, ça va. Ça peut aller. Oui. Bon, il y a un rond rose, un rond vert. Là, il y en a un orange, violet. Non, mais ça va, ça va, ça va. De toute façon, quand on regarde... Alors, voilà. Vous voyez? On distingue bien quand même les... sur le patron papier. Hein. Et on va regarder maintenant sur la toile. Elle est rigide, mais bon. De toute façon, elle va se ramollir au fur et à mesure que l'on va la travailler. Voilà. Pardon. Donc, les symboles qui sont sur la toile et les symboles qui sont sur le patron papier sont exactement les mêmes. Voilà. Là, vous n'avez pas à vous tromper. Niveau impression, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va, c'est bien droit, ça se suit bien. Vous voyez, les... ça fait bien la forme d'un point seulement, il n'y a pas de débordement. Alors, ici, dans les confettis, enfin là où il y a beaucoup de couleurs. Bon, ça... là, peut-être faire attention, vous voyez, un T à l'envers, là, avec le petit trait noir. Ça devrait bien aller. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros soucis. Voilà. Et dans les blocs, là, au niveau des blocs, ben, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez. Très bien imprimé. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les fils que l'on a avec ce kit. Donc, j'avais dit, il y en a 40, hein, c'est bien ça, oui. On a deux premières échevettes, une noire, hop, il y a un petit nounou, une échevette noire, fil est bien brillant à la lumière, et une bleue marine. Ensuite, alors c'est un kit que lorsque je le ferai, je mettrai les fils sur les tri-fils en plastique parce qu'il y a quand même beaucoup de fils. Voilà. Allez, on va découvrir les couleurs. Un joli prune, bleu, un gris, noir.
un marron rouille, un gris plus foncé, un vert bouteille, un vert clair, un petit rouge bordeaux, ocre. Alors, les bleus, un bleu ciel, voilà. Toute la palette de bleus. Enfin, une partie parce qu'il y en a de l'autre côté. Un marron, un autre ocre. Ocre, mais plutôt rouille. Plutôt rouille, si. Ici, marron, le bleu marine, le voilà. Couleur chair, un petit orange, voilà un bleu. Là, un petit violine, un vert d'eau, bleu ciel, un gris rosé, bleu, encore bleu, un gris vert. Encore un peu qui tire sur le doré. Une autre sorte de rouille. Des verts. Un orange pâle et un vert. Voilà. Et pour terminer, ici, alors un beige. Là, c'est un marron, entre le beige et le marron, ici un marron et un orange. Voilà. Donc de jolies couleurs. J'ai pas vu s'il y avait d'autres aiguilles. Parce que des fois, ils remettent des aiguilles en plus. Là, non, il n'y en avait pas. Donc ça, il va être encore très beau à faire. Bon, pour l'instant, je termine ce que j'ai là. Après, je veux tous les faire, mais bon, c'est pas possible, hein. Je ne peux pas tous les faire d'un coup. Il me faudrait des journées de 72 heures et des semaines de 15 jours. Mais voilà. Pas de souci, je le ferai. Il faudra juste un tout petit peu plus de temps pour que je le fasse. Voilà, que je m'y mette. Donc voilà pour le premier kit, donc le kit broderie. Maintenant, je vais vous montrer le DP. Hop là. Le DP à chouchou. Alors, on a dedans des perles. Voilà. Montre déjà comme ça, je vais vous montrer en détail hein, après. Donc elles sont en sachet zippé, des perles rondes. On a le petit toolkit, le plateau, la petite glue, le petit stylet. Je vais vous montrer les perles. Excusez-moi pour le bruit. Alors, attendez, je vais peut-être enlever le flash et bloquer l'image. Voilà. Des belles couleurs. Un bel orange ici. Ah, il est plus orange que vous le voyez, hein. Bleu roi. Bordeaux. Un autre bleu roi. Sont très très belles.
C'est pas le vrai blanc, celui-là. Ah, et ça, je pense que c'est le... Ah non, c'est pas encore le vrai blanc. Non, non. Voilà, pour les couleurs. Alors, je vais vous faire découvrir le kit. Hop. Voilà, et oui, le roi lion. Ça brille, voilà, comme ça. Avec toute sa cour autour de lui. Alors, je ne connais pas les noms hein, des personnages. Je sais que c'est le roi lion, c'est déjà bien. Mais je ne connais pas les noms des personnages hein, du dessin animé. Mais bon, si vous connaissez, vous devez savoir. Hein. Voilà. Il est très, très beau. Il va être joli. Niveau impression... Voilà, ah, arrête de flouter. Voilà. C'est nickel. Et il y a de la colle. On retrouve en haut à droite, à gauche la légende. En bas à droite la légende. Ici, vous avez les références du kit. C'est un 50-40. J'ai calculé, donc il fait 35 sur 45 à peu près. Voilà, au niveau image. Et voilà. Alors, je sais qu'il y en a, vous voyez, qui aiment bien pour les ronds, qui n'aiment pas les cercles autour des lettres. Donc là, il n'y a pas les cercles. Voilà. Et même là, c'est super bien imprimé. Donc, aucun problème. Je ne vous ai pas donné les prix de mes produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Le DP pour donc un 50-40 en perles rondes, il est à 10,79 €. Et la broderie pour une 60-45 en 11 CT, elle est à 14,79 €. Voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ces articles. Je remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup la boutique DP Club pour leur gentillesse, leur confiance et leur générosité. Je suis très heureuse de travailler avec eux. Je vous mets en barre d'infos comme d'habitude les liens de la boutique, le lien des articles que je vous ai présentés. Par contre, je ne sais plus si j'ai des codes promo avec eux, je vais vérifier, mais s'il y en a, je vous les mettrai. Puis voilà. je vous laisse pour aujourd'hui. Nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.